feu, c'est qu'il est encore en vie. Du moins pour l'instant. Est-ce que c'est un galion ? Ben, en tout cas, ça y ressemble. Eh ben dis donc. C'est un cimetière de bateau. On va pouvoir descendre par là. Ouais, aussi sûr que tout le reste sur cette île. Super, on se rapproche. Oh, merde. Regarde. C'est Sam. Il est encerclé. Ouais. Allez, faut qu'on sorte de là. Il faut que j'arrive à atteindre la plage. Thank you.
Allez, on va couper par la calvinette. Ça m'a bien pu. Il est parti par là. Voilà ta réponse. Thank you.
Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Ouais. Restons pas sur cette plage 10 minutes de plus. Ouais, t'as raison. Vous avez mon briquet ? Merde ! On fait des cibles faciles ici ! Faut qu'on se débarrasse de ce qu'on se fait ! C'est pas l'aise ! On peut s'y mettre à l'abri ! Juste en dessous. Je m'en occupe. Suivez-moi.
Vas-y. On y va. Dépêche-toi. Tout va bien. Que la liberté, enfoiré.
Ça sonne mieux dans ma tête, c'est sûr. Bon boulot, petit. Merci pour le coup de main. Viens par ici, je vais te sortir de là. Je veux bien. Je suis content de te voir. T'arrives pile poil au bon moment. Ah, tu sais, pour rôder dans le coin, c'est pas très bon pour les nerfs. Ouais, mais faut d'abord qu'on retrouve Sam et Elena. Oh. Hey. Oh. Est-ce que tout va bien? Ouais. Avec toutes ces explosions, on a cru que... Il sait pas être discret. Tu lui as encore sauvé la peau? Comme d'habitude. Et toi, ça va? Ça va. On l'a échappé belle à plusieurs reprises, mais... Il a pris soin de moi. Eh. Ça va? C'est quoi, ça? Ça? Une balle qui m'a effleuré. Ah. Et toi? Une falaise qui m'a effleuré. Ouais. Comment t'as semé Raif? Oh, il a fait tomber son équipe droit dans l'un des pièges d'Avray. Malin. Tu sais... À propos de cette histoire avec Alcazar, là... Qu'on reparle de tout ça plus tard. Où on va? Sur la plage, de l'autre côté de la ville. Ok. Avec tout ce remue-ménage, j'espère qu'on n'a pas attiré l'attention. J'espère. Attendez. Vous faites quoi? Mais qu'est-ce que tu crois? On dégage de ce putain de caillou? Ok, ça c'est la première option. La deuxième serait d'aller dans cette direction. Pour arriver plus vite. Mais arriver où ça? Bah, au trésor d'Avry. Écoutez, Raif va devoir faire tout le tour. Alors qu'on s'en fout de Raif. Hé, Victor, avec tout le respect que je te dois... Tu sais vraiment pas quand t'arrêter, c'est dingue ça. On est tous venus dans le même but, non? Non, nous, on n'a pas fait tout ce chemin pour le trésor, on l'a fait pour toi. Et je vous en suis reconnaissant, très sincèrement. Mais on assure. En plus, on a une longueur d'avance. Enfin, pour l'instant, on peut y arriver. Nathan, allez. Hein? C'est évident. En fait, Avry a réussi à saborder tous les bateaux présents sur cette île. Et pourquoi? Parce que ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était garder son trésor. Exactement. Quel qu'en soit le prix à payer pour son entourage. Parce qu'il voulait surtout éviter d'être suivi. Parce qu'il voulait s'en aller. Regardez ça. Bon. J'ai découvert sa propre carte de l'île. Ok? Là, c'est son navire. Juste ici, sous cette montagne. C'est là que se trouve le trésor. Et c'est vers cet endroit qu'est en train de se diriger Raif, pendant que nous, on perd du temps à se disputer bêtement. Ouais, et si il avait déjà quitté l'île? Et que son bateau est coulé quelque part au milieu de l'océan. Eh ben, dans ce cas, on trouvera où il a coulé. Oh, de Dieu. Ça fait combien de temps qu'on est après ce truc? Toi et moi. Sans vouloir vexer nos amis. Ils comprennent pas. En fait, si, ils comprennent. Ils savent ce que c'est. Ok. C'est pas la première fois. Qu'il voit ce genre d'obsession chez quelqu'un. Tu sais, on n'est plus des gosses maintenant. C'est fini. Et on n'a plus rien à prouver à personne. Où est l'avion, Victor? Il est par là. Est-ce que c'est loin d'ici? Pas trop. Après cette ville portuaire. Et si les gars de Shoreline nous tendent une embuscade à l'avion? Ça n'arrivera pas. Comment tu peux en être si sûr? Parce que eux, ils se dirigent vers la montagne. Pour le trésor. Par là. Là, voilà.
sacrée descente. Comment t'es arrivé là? Je suis descendu en sautant sur ces murs, mais... on va devoir trouver un autre passage. Bon, j'ai sauté de là-haut, mais c'est trop haut pour remonter. Ouais, on pourrait peut-être mettre quelque chose dessous. Tu m'aides, Sam ? J'arrive. Ça va, on se débrouille. Quelqu'un a trouvé une sortie ? Hé, hey, regardez par ici. Oh, regardez-moi ça. On dirait un genre de téléphérique. Tu crois qu'il marche encore ? On y est presque. J'ai vraiment hâte de retrouver mon petit lit douillet. Si proche et pourtant si loin. Y a pas de commande, mais je parie que je pourrais tirer la plateforme avec ma corde. Arrive à atteindre cette plateforme en bois là-bas. Je crois que j'ai une idée. Nathan, tu viens m'aider ? Ok. Victor, je peux te demander ton aide ? Bien sûr. Allez, vas-y, Nathan. Voilà, nous on tient, toi tu dois sauter. Vous allez pas me faire tomber ? C'est très tentant, mais non. Peut-être. Je suis passé ! On arrive ! C'est bon, on est prêt.
rêve, hein. Cette bande de pirates est une sacrée ingénieuse. Wow. Accrochez-vous. Tout le monde va bien? Ça va. C'est un peu comme des montagnes russes. Tu nous rejoins, Nathan? Allez, Nathan, tu grimpes et je t'attrape. Oh, merde! Allez, on n'a pas toute la journée. Hé, hey, donne-moi ta main. Et voilà. Sam! Quel sale enfoiré. Sam, viens! Hein? Ok. Vas-y, saute, je te rattrape! Allez! Non. Non, arrête, n'y pense même pas, Sam. Tu m'entends? Désolé de vous avoir entraîné là-dedans. Tous les trois. Écoute, tout ça n'a plus d'importance maintenant. Alors saute! Je peux pas abandonner si près du but. Sam! Hé, je te préviens, Sam, si tu fais ça, je viendrai pas te chercher! T'as compris? Je suis désolé. Sam! Sam! T'es-tu, stupide? Il t'a pris au mot. Il court tout droit dans la gueule du loup. Allez. Ouais, ouais, t'as sûrement raison. Évidemment qu'il a raison. Allez, on y va. Par là, on pourra peut-être le devancer. Je sors de là et je lui en colle une. Si tu veux, nous on se concentre d'abord sur la partie sauvetage. Mais qu'est-ce qu'il a dans le crâne? Après tout ce qu'on vient de... Quand même, ça lui suffit pas? Faut le sortir de là. Tiens, on peut s'aider de ça pour passer. Allez! Voilà, on tient. Vous êtes prêts? Tu vois? Allez, pas que ça va tenir. Nate, vas-y. Non, c'est bon. Vas-y. Oh merde. Allez. Dieu. Et maintenant, comment on va faire pour grimper là-haut? On n'aura jamais le temps. Hé. Hey. Nate? Non, il va pas tout seul. Écoute, je reviens tout de suite, ok? Parce que tu crois qu'il va te suivre sans se battre? Eh ben on se battra si c'est ce qu'il faut. Mais quoi qu'il en soit, je le ramène avec moi. Toi, fais en sorte de rapprocher l'avion au plus près de la montagne. Et sois prêt à décoller rapidement. Tu crois qu'on peut décoller lentement? C'est pas juste! Quoi? C'est ton tour de faire la vaisselle. Ne me fais surtout pas le coup de pas revenir à la maison. Je t'aime. Je t'aime aussi, Cowboy.